La comédienne Sandrine Bonnaire s'est exprimée pour la toute première fois sur les réseaux sociaux ce mercredi 29 novembre dans une vidéo face caméra. Très en colère, elle annonce porter plainte contre l'EHPAD dans lequel résidait sa maman Lucienne, décédée le 23 août dernier. Depuis cette date, l'actrice ainsi que ses proches enquêtent sur les circonstances troublantes de son décès. Elle estime aujourd'hui avoir suffisamment de preuves contre l'établissement et dénonce un dysfonctionnement, des maltraitances ainsi que des négligences. Il est impensable qu'il y ait de la négligence, qu'il y ait de la maltraitance dans certains établissements. Il y a déjà eu des scandales, on les connaît. Je sais que ça va être un long combat, mais c'est un combat que je mènerai jusqu'au bout pour redonner de la dignité à ma maman. De perdre une maman, c'est déjà triste, mais de perdre une maman dans des conditions déplorables, c'est extrêmement douloureux. Donc je pense qu'il est important d'alerter.